wonderforest.com. Donc bonjour à tous, c'est parti donc pour ce match amical, enfin un match ouais, un petit peu amical, le dernier pour cette équipe du FC Barcelone face à l'équipe d'Arsenal. Deux gros clubs en tout cas, et c'est Barcelone-Arsenal, très très gros match. Ici au Camp Nou. Donc les joueurs à suivre seront Antoine Griezmann et Pierre-Emerick Aubameyang pour les deux équipes, vous l'aurez compris. Donc l'entraîneur Unai Emery qu'on voit ici. Très très gros match en tout cas entre ces deux équipes. Malheureusement il y a luminosité hein, parce que je le fais deux jours, je vous l'avais dit hier. Donc voici la composition de Ernesto Valverde côté FC Barcelone. Il y aura donc Marc-André Ter Stegen, Nelson Semedo, Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba. Il y aura Sergio Busquets, Francky De Jong. Il y aura Antoine Griezmann, Luis Suarez, Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, hein, Francky De Jong, je vous l'ai dit je crois. Et donc voici la compo de Emery pour l'équipe d'Arsenal. Donc on aura Brent Leno, Maitland, Niles, Anacho Montréal, Socrates Papastathopoulos, Chambers, on aura Dani Ceballos, Granit Xhaka, on aura Nketiah, on aura Dani Welbeck, Pierre-Emerick Aubameyang, Granit Xhaka. Voilà la compo d'Arsenal, la compo du FC Barcelone. C'est parti donc pour ce match avec Francky De Jong. C'est parti. Nelson Semedo. Avec Granit Xhaka, Dani Welbeck. Voilà, ballon perdu. C'est donc, attention pour toujours, Dani Welbeck. Pierre-Emerick Aubameyang. Le tir de Guendouzi. Qui passe pas loin du cadre. Très très belle ambiance ici en tout cas au Camp Nou. Ter Stegen. Camp Nou qui est représenté par El Libertador hein, dans FIFA. Malheureusement ils n'ont pas la licence. Mais bon on aura bien évidemment PES 2020 l'année prochaine. Donc du coup on aura très certainement la licence avec le Camp Nou et tout le tralala.
Je vous rappelle que PES ont une licence premium avec le Barça, le tir de Antoine Griezmann, Brent Leno qui vient arrêter ce ballon. Le tackle de Sergio Busquets malheureusement non sifflé par monsieur l'arbitre. C'est pour du coup Nketiah, c'est pas fini. Le tackle de Frankie de Jong. C'est toujours donc pour Nketiah avec Chambers. Ballon récupéré avec Ousmane Dembélé. C'est pour Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Avec Luis Suarez. Le tir, oh là 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 là, de Antoine Griezmann. Pas loin du tout du cadre. Pour le joueur Blaugrana, l'ancien joueur madrilène. Colchoneros. C'est pour du coup Brent Leno. Avec Chambers. Ah, le Camp Nou ici à Barcelone, qui est complet, hein, il est... Les tickets sont complets, attention avec Ivan Rakitic. Le tir qui s'envole dans les gradins. C'est donc du coup pour Brent Leno. Avec Maitland Niles. Le tackle des Blaugrana, bien défendu encore une fois par l'équipe d'Arsenal. C'est pas fini, c'est pour Granit Xhaka. Ballon récupéré avec Nelson Semedo. C'est au Busquets avec Frankie de Jong. Gérard Piqué. Les Blaugrana qui sont une très très grosse équipe. L'équipe du FC Barcelone. Attention le tir. Ouh là 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 là, hors jeu, il était hors jeu. Dani Welbeck, et heureusement, hein, car sinon c'était but. Oui, vraiment sur la ligne. Hein, quelques centimètres plus loin, il aurait été hors jeu. Hein. Enfin, il aurait été dans le jeu. Et ça aurait pu très très mal tourner pour le FC Barcelone. Avec Luis Suarez. Bien défendu ça par l'équipe d'Arsenal. C'est du, on voit bien évidemment Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Avec Samuel Umtiti. Le tir. Oh, magnifique arrêt de Brent Leno. Il a tenté sa chance. Hein. Il a tenté sa chance, Samuel Umtiti. Effectivement, c'est bien tenté, hein, car c'est quand même le gardien qui l'arrête. C'est donc du coup un corner avec Ousmane Dembélé côté Blaugrana. Et c'est du coup, il me semble, un autre corner. Cette fois-ci, on va faire une nouvelle fois du Blaugrana. Avec Ousmane Dembélé. Le tir, oh magnifique arrêt. Sergio Busquets qui vient surprendre le gardien d'Arsenal. Ah, c'est même pas le gardien, hein, c'est carrément la défense. Ousmane Dembélé. Ce corner, attention. L'arrêt, cette fois-ci, de Brent Leno. L'équipe de Barcelone. Qui, pour l'instant, est assez énervée. Ils attendent quand même le premier but. Pour l'équipe. Attention, le tacle. C'est pour Sergio Busquets. Avec Ivan Rakitic. C'est un petit peu emmêlé les pinceaux, hein, Ivan Rakitic. Mais c'est du coup pour Ousmane Dembélé. Frankie de Jong qui perd ce ballon. Avec Pierre-Emerick Aubameyang. Guendouzi, attention le ballon. Mauvais mauvais passe malheureusement pour l'équipe du FC Barcelone
avec Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gunners qui pour l'instant ont des difficultés, une petite phase de possession ici dans la surface de l'Olgrana. Sans plus, un ballon rendu à l'adversaire, c'est pour du coup Antoine Griezmann en remise de touche. Oula, la passe un peu approximative, c'est pour du coup Gérard Piqué. Ousmane Dembélé, c'est pas fini, en magnifique accélération. Ousmane Dembélé. Remise de touche, une nouvelle fois avec Antoine Griezmann pour l'équipe des Blaugrana. Cette fois-ci en faveur d'Arsenal avec Jordi Alba. Les Gunners. Dani Welbeck. Pierre-Emerick Aubameyang. C'est pas fini. Guendouzi. C'est pour du coup Marc-André Ter Stegen. Mauvaise passe, attention, de Ivan Rakitic, et ça pourrait terminer au fond. Le tacle très certainement dans la surface. Dani Welbeck. Ouh là 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 là, non, c'est pour le gardien, mais de justesse. Le tacle qui aurait pu se terminer en penalty pour l'équipe d'Arsenal des Gunners. Frankie de Jong. Luis Suarez. On a le ballon pour Brent Leno. Ouais, non, tacle sifflé, sanctionné par monsieur l'arbitre. C'est donc du coup pour Granit Xhaka. Attention, le tir pour Ter Stegen, le tacle dans la surface, et oui, penalty, Ivan Rakitic. Ouh, très certainement le rouge. Et oui, c'est le rouge. Ivan Rakitic qui sera donc sanctionné pour le prochain match, et dont le prochain match de Liga tout simplement. Bon, attention, Pierre-Emerick Aubameyang qui tente le penalty face à Marc-André Ter Stegen. Oh, le tir raté! Oh, le tir raté, le manqué! Unai Emery qui pensait peut-être prendre l'avantage. C'est pour du coup André Ter Stegen, pardon, Antoine Griezmann avec Luis Suarez. Luis Suarez, attention. Le tir. Attention à la tête de Ousmane Dembélé qui passe pas loin du cadre. Avec Samuel Umtiti. C'est du coup pour Luis Suarez. Luis Suarez, attention. Ouais, non, Luis Suarez qui perd ce ballon. Ah, c'est dommage, hein, il aurait pu le marquer. Le mettre au fond du filet. C'est pour du coup pour Guendouzi. Guendouzi avec Nketiah.
Attention, la tête, Danny Welbeck, qui marque du coup le but. Ah, très très bon joueur pour l'instant, il a eu quelques actions, malheureusement pas de but, et voilà, il est sollicité au moins une fois avec ici ce but. C'est beau, c'est très très beau. C'est du coup pour Luis Suarez. Luis Suarez. Ballon perdu, c'est du coup une remise de touche avec Ousmane Dembélé, Francky De Jong. Bon, attention avec Dani Ceballos. Le joueur, l'ancien joueur meringué. Antoine Griezmann. C'est du coup 3 minutes additionnelles. Même l'affichage ici au Camp Nou l'affiche hein, sur le côté. Attention, le contact entre Brentano et Ivan Rakitic et Francky De Jong et le ballon perdu. C'est la fin de cette première période. Une nouvelle fois, hein, comme hier avec le match Liverpool face à Manchester City. Donc je vous incite bien évidemment à aller le voir, hein, c'est un très 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 beau match. Ici l'équipe d'Arsenal qui domine 0-1 pour l'instant avec un but de Danny Welbeck. Le remplaçant d'Alexandre Lacazette qui, je vous rappelle, est blessé. C'est du coup la suite de ce match dans cette seconde période. Ici au stade du Camp Nou. Oh non, ballon perdu avec Antoine Griezmann, c'est pour Luis Suarez. Antoine Griezmann, magnifique arrêt de Brent Leno. Allez, les Blaugrana qui ont eu pas mal d'actions, mais malheureusement, comme dans chaque match, c'est pas en ayant des actions qu'on peut gagner un match, bien évidemment, marquant. Pour l'instant, l'équipe du FC Barcelone ne le fait pas. Jordi Alba. Jordi Alba le tire sur Brent Leno. Remise de touche pour l'équipe des Blaugrana. C'est du coup pour Granit Xhaka avec Pierre-Emerick Aubameyang, le tacle de Samuel Umtiti, non sifflé par monsieur l'arbitre. Ça méritait pourtant, hein. Gros tacle. Et Jordi Alba qui perd ce ballon, c'est du coup pour l'équipe d'Arsenal des Gunners, en mise de touche. Avec Sergio Busquets, la tête de Guendouzi pour Marc-André Ter Stegen. Antoine Griezmann qui perd ce ballon. Monsieur Lionel Messi qui n'est pas là dans ce match. Francky De Jong. Ouh là là, ballon perdu. C'est du coup pour Chambers. Pour l'instant, l'équipe d'Arsenal qui est en train de gagner hein, le match. Que ce soit en possession ou en goal, voilà, ils sont en train de gagner complètement le match. Attention, c'est pas fini. C'est pour Luis Suarez. Ouh, l'arrêt magnifique de Brent Leno. Et c'est du coup un corner. Changement Mesut Özil, Matteo Guendouzi.
Le jeune français qui sort. Et c'est l'allemand qui vient le remplacer. Mesut Özil, très très bon joueur et ça peut être décisif, hein, je peux vous le dire. Ce changement va être très certainement décisif. Quoique Guendouzi était quand même fort, mais bon. Mesut Özil l'est tout autant. Nketiah. Danny Welbeck. La tête des joueurs d'Arsenal, de Pierre-Emerick Aubameyang. Changement, Arturo Vidal qui va rentrer à la place de Frankie de Jong, qui est quand même déçu, hein. Il pensait peut-être jouer un petit peu plus le match et peut-être même aller voir jusqu'à marquer un goal. Et malheureusement non, il n'arrive pas à marquer le goal. Un ballon perdu. Ouais non, lui serait si hors jeu. Largement hors jeu. Changement pour l'équipe d'Arsenal qui fait encore du changement. Iwobi, Nketiah. Pour l'équipe d'Arsenal donc. Pierre-Emerick Aubameyang. Attention la tête. Oh là 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 là, Marc-André Ter Stegen qui a arrêté in extremis ce ballon. C'est pas fini, le tir pour l'équipe des Gunners. Antoine Griezmann. Le tir, magnifique arrêt de Brent Leno sur le tir d'Arturo Vidal. Ousmane Dembélé, magnifique arrêt sans problème. Le gardien n'a pas de problème du tout à arrêter ce ballon. Brent Leno. Oula, le tir. Le tir raté de Ousmane Dembélé. Ouais, non, encore un ballon perdu. Décidément, l'équipe des Blaugrana qui perdent le sang-froid. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, c'est ça, hein, dans ce genre de match, c'est le sang-froid qui gagne. Et malheureusement, cette équipe des Blaugrana qui perdent beaucoup de sang-froid. Hein. C'est malheureusement là les défauts des Blaugrana. Donc, c'est du coup un nouveau corner pour l'équipe d'Arsenal. Changement, Malcolm et Ousmane Dembélé. Luis Suarez. Luis Suarez qui continue. Il n'est toujours pas fatigué. Il est hors jeu. Ouais, ouais, c'est hors jeu. Hors jeu pour Ousmane Dembélé. Ah non, c'est Malcolm. Malcolm qui est hors jeu, ouais. Ouais, sans problème. Il est. Il y a les Champs-Élysées carrément entre. Malcolm et Luis Suarez. Ça se voit, hein, de toute façon. Genre, le tir de Iwobi, pas loin du tout du cadre, hein, pour Marc-André Ter Stegen. Ouais, non, ballon perdu. C'est du coup pour l'équipe d'Arsenal. Oula, le tacle des Blaugrana. Et ça commence un petit peu à tourner en bourrique. Avec Arturo Vidal. C'est pour du coup Luis Suarez qui n'est pas hors jeu. Le tir, oh magnifique but. Luis Suarez qui n'était pas hors jeu.
Magnifique frappe, il est but. Il est accordé donc du coup ce ballon. Ce qui nous fait une égalisation à nouveau. Et donc si ce match se termine 1-1, il y aura donc une séance de tir au but pour départager ces deux équipes. Arturo Vidal qui est écope du coup de la carte jaune. L'équipe des Blaugrana, c'est pour Sergio Busquets. Luis Suarez qui a le ballon. On a un ballon perdu. Suarez qui perd à nouveau son ballon. C'est pour Chambers avec Dani Ceballos. Granit Xhaka. Voilà le tacle. Le tacle et le tir pour l'équipe d'Arsenal. Changement annoncé. Gérard Piqué qui sort. Et c'est Clément Lenglet qui va le remplacer. Changement Mustafi Maitland-Niles. Oula, le tacle d'Arturo Vidal. Peut-être deuxième carte jaune. Deuxième carte jaune. Et du coup le carton rouge pour Arturo Vidal. Et donc qui sera lui aussi sanctionné pour le prochain match, à savoir le match de Liga, donc le premier match de la coupe championnat espagnol. Attention, la tête magnifique de l'équipe du Barça avec Sergio Busquets. Là, on se dirige très certainement vers une séance de pénalty, mais attention, c'est pas fini. L'attaque ici avec Luis Suarez. Alors, Luis Suarez qui a perdu tout son équilibre. Chambers avec Pierre-Emerick Aubameyang. Le tir. Attention. Bien arrêté avec Antoine Griezmann. Ouh, le tir de Luis Suarez. Pas loin du tout du cadre. C'est du coup pour le gardien Brent Leno qui va donc renvoyer ce ballon très très loin. Brent Leno côté des Gunners avec Montréal. Dani Ceballos, c'est pour du coup Iwobi. Attention, c'est pas fini. Bien défendu ça avec Sergio Busquets. Non, ballon perdu avec Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, c'est 3 minutes de temps additionnel. Magnifique, là c'est pour Antoine Griezmann. Lionel Messi, la Pulga qui n'est pas là en tout cas. Attention avec Malcolm, le tir. Oh, comme hier, exactement le même but. But à la 93e. Juste avant la fin de ce match. Exactement comme hier. Le but décisif. Et le voilà. Malcolm qui le marque. À la 90e minute plus 3.
minute de temps additionnel. Et voilà, c'est la fin de ce match. Fin de ce match amical, exactement comme hier. But décisif dans les 90e minutes. Et voilà. J'espère qu'il vous a plu. Moi, il m'a vraiment beaucoup plu ce match. Et c'était le dernier match de FC Barcelone avant la reprise du championnat. Pierre-Emerick Aubameyang, 3 tentatives, 0 but. On attendait d'ailleurs mieux de lui. Et donc voilà, FC Barcelone, équipe d'Arsenal. Donc voilà, je vous laisse revoir un petit peu les replays. Un Malcolm qui a fait une très très bonne... Bon, il a peu joué, mais il a fait une seconde période exceptionnelle. C'est lui qui a marqué carrément les buts décisifs. Et donc voilà, j'espère que ce match vous a plu en tout cas. Match du FC Barcelone face à l'équipe d'Arsenal. Donc on se retrouve pour un prochain match. Salut à tous !